accompagnée de Néo, yo, le chasseur fantôme, pour étudier les phénomènes paranormaux. Exactement. Et Swan, dans quelle maison hantée allons-nous aller du coup pour découvrir ce qui se passe? Et du coup, en fait, nous avons étudié le paranormal sur Ouija Mansion 3. Néo, je te laisse activer l'écran. Yes. Allez Swan, c'est parti, tu peux démarrer le jeu, hein. Vas-y Swan. Donc c'est un jeu que tu aimes beaucoup Swan, je pense. Pour le coup, Swan va jouer tout seul, mais si cette vidéo vous plaît et qu'on fait d'autres suites, en fait il y a un certain niveau où on peut jouer en multijoueur. Oui c'est ça. Donc voilà, tout simplement. Alors déjà, regarde un chargement, un petit chien. C'est formidable, un chien fantôme. Donc Swan, est-ce que t'es fort à l'Ouija Mansion? Est-ce que t'as fini? Alors je suis allée assez loin dans le jeu. Mais tu l'as pas fini? Non, 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 pas du tout, pas du tout. Ah ouais, ok. Je suis arrivée à un boss hyper méga fort. Et t'es fort au jeu ou pas? Ouais. Ça va? Ok. Alors, on va aller... Tu vois, je suis jamais avec. C'est mon compte pour le plaisir. Ouais, ouais, d'accord, ton compte pour le plaisir. Swan, il a 3 comptes Swan, le compte Swan, le compte pour le plaisir, et le compte Swan Swan. Alors, scénario. On est parti. Voilà, c'est bon. Nope. Alors, je connais 2 boss hyper méga forts dans ce jeu. Mais il y en a que 2. Ils sont vraiment quasiment impossibles à battre. Tant que ça, et ben, on va voir ça, hein. C'est parti. Le reste, c'est facile. Donc, je vous avoue que moi, le Ouija Mansion, j'ai quasiment jamais joué. Donc là, ça va vraiment être une découverte pour moi. C'est quand tu as joué parce que tu as dit quasi? Ça me rappelle plus, il y a 2 ans quoi, quand le jeu est sorti. Oh. Regarde. Il y a Mario dans le jeu? Oui. Ok. Et regarde. Ah, formidable. Une bonne journée de vacances pour Luigi. Et Todd? Non, 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 mais non, mais pour toute la famille. Ah ouais? Ouais, et Mario, comme d'habitude, ne laisse aucune place à Luigi pour Peach. Comme d'habitude. J'avoue. Il y a des secousses. Mais il est où Luigi là? Bah, il est derrière Ethan encore. Non. Oh la solitude pour Luigi. Non, mais non, regarde, il y a sa valise pour jouer. Oh la solitude, il y a personne. Pauvre Luigi. Ah, regarde, tu vois, il y a un ami. Au secours. Chien fantôme. Ah, c'est le chien fantôme. Il est gentil, chien fantôme? Oui, 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 il est gentil. Il est être. Alors, quand même, ça va être difficile de lire s'il y a rien. Il est écrit. Non, non, c'est pas ça qui arrive. Non. Celui peut vaincre Ganon. Oh, il est gentil ce chien fantôme. Oh, formidable. Ah, on arrive. Eh bien, ça a l'air d'être un moment de vacances très sympathique. On peut les laisser, je pense. Hein, c'est fini, il n'y a plus de problème de fantôme. Tout est réglé. Enfin, mais ça fait encore quelques... On va juste confisquer le chien fantôme pour faire des analyses, mais sinon, ouais, aucun problème. Regarde, ça c'est tous les bagages de Peach. Ah là là, Peach est difficile. Pauvre Todd, c'est des esclaves. Tout le temps. Il est très seul Luigi hein. Ah, ouais ouais, bah comme à chaque jeu. Et encore assez bien hein. Il est pas tout seul complètement. Parce que dans les gens tu dis Mansion, il est vraiment seul. Et ben magnifique. Elle est belle ta tour hein. Hein, qu'elle est belle la tour. Ouais, c'est gigantesque hein. C'est un gratte-ciel. C'est un endroit complètement perdu. Ah, regarde, tout autour il y a rien. Ouais ouais. Ça me fait penser à Yid du point d'interrogation. Parce que c'est sur un jeu Mario, t'as vu. Ouais, d'accord, Swan, d'accord, je vois, je vois le jeu. Au milieu de nulle part, en fait. Bien sûr. Ça a l'air bien cet hôtel 1000 étoiles. Ouais, ça a l'air sympathique, effectivement. Hein. C'est à noter 1000 étoiles. Oh, mais carrément, quoi. Ah, mais t'as plein d'employés et tout. Ouais. Non. Ah, ils ont tout préparé pour eux. Ouais. Bah c'est les invités d'honneur, hein, la princesse Peach, c'est Picsou et Mario en fait. Ah, c'est d'accord. Mais pourquoi t'avances aussi lentement? Ouais, tu es bizarre, hein. Ils sont bizarres les gens par contre. Ouais, oh, regarde, ils ont des masques. C'est pas des fantômes par hasard? Non. Bienvenue, cher monsieur. Bienvenue au repos éternel. Les amis, vous enregistrez. Bah oui. Thank you. Enfin, repos éternel. Pourquoi il est violette? Je présente Ambroscade, propriétaire de cet embêtant. Sachez que je suis absolument ravie que vous ayez accepté ma beauté cette invitation. Étrange, étrange. Ça devient hyper bizarre.
Devez tous être accompagnés par votre voyage. Suivez-moi, je vais vous guider sur vos chemins. Ne vous préoccupez pas de vos bagages. La personne est dévouée va s'en occuper pour vous. On se demande. Mais ils volent. Essayez de nous inviter de venir, n'oubliez pas. Nous avons préparé un séjour tout compris pour vous venir l'expérience de votre vie. Sur ce, si vous voulez bien me suivre. Ils sont très bizarres, ouais. Let's go. Mais hey, déjà, pourquoi les violettes? Enfin, rose. Et ça, il y a un charpentôme. Donc tu fais pas examiner, genre. Tout va bien. Ouais, charpentôme, tout va bien. On a vu sourire et on a vu passer. Ah oui, dans ce jeu, t'as des étages. Hein. Bah, c'est un ascenseur. Enfin, c'est... ils sont hantés, quoi. Oh, yeah. Pour l'instant, t'as pas encore vu le vrai aspect de toi. Ah, Marie-Marie. Hey, Todd. C'est la chance, c'est une cage. Allez, on roule vers nos cages, les amis. Bye. Personne ne remarque rien. Tout va bien. Oh. Alors, okay. Tu sais, Luigi, son plus grand ennemi à ton avis, c'est qui? Qu'est-ce que j'en sais moi, le chien photo? C'est le roi des fantômes en fait. Ah d'accord, merci de m'avoir spoilé. Non mais en fait, parce que sinon t'aurais pas compris. Tu vas y toucher? Bah peut-être oui. Je l'ai compris en allant voir le boss au roi des fantômes en fait, c'est pas... C'est bizarre toi. Ah mais c'est dans tous les Luigi Mansion. Oui, t'inquiète pas. Ah mais il a déjà tout préparé, il a sa lampe tout ça. Ouais par contre, j'avoue, pourquoi il a sa lampe? Et il a ses habits de rechange hein, il y en a qu'un. Et il porte toujours le même truc. Ouais. Par contre, où est la salle de bain? Ouais, bizarre hein. Oh, il y a un livre de 1000 pages aussi. Au cas où. Mais il n'y a même pas de nom sur ton livre. C'est rapide. Ouais, c'est rapide. Luigi, il s'endort facilement. Et il ronfle facilement aussi. Oh là là, on se demande bien ce qui va arriver. Ah, oh, d'accord. Ça alors. Tu as crié. Ok. Il a versé une araignée dans sa chambre. Ouais. Attends, mais il y a déjà de la... What? Il y a déjà du brouillard sur le sol, on dirait, là. Attends, je vois un bacard. Bah, tu le savais, arrête. Oui, c'est exprès. Alors, faut peut-être sortir de la chambre, mais ça paraît un peu bizarre, là. Déjà l'ambiance est vraiment étrange là, c'est pas la même qu'au début hein, où tout était beau, plein de couleurs, ensoleillé. Ah d'accord, ouais, tout part, toute la teinture. C'était un prank. Camouflage. Et voilà, c'était un prank du coup, vous avez bien pranké hein. Non, c'était un camouflage en fait. Nombreux bagages. Ouais. Sympa. Ouais, c'était un camouflage. Ça, on l'a tu m'as dit trois fois. Pourquoi il y a l'araignée de Spider-Man? C'est l'araignée du ruban rouge. Il n'y a rien avec le miroir, ok. Attends, non, mais. Pourquoi il voit la chambre de Peach? Ah oui, c'est là. Mais elle est où Peach? Bah, je sais pas. Attends, je vais voir le placard aussi. Oh là là, on se demande bien ce qu'il va y avoir dedans. Ils ont rien d'autre à faire que faire ça. Ils ont tout préparé. Attends, mais le thé là, t'as vu, il était en train de chauffer, le thé. Ah. Ouais, mais il y avait un truc à faire avec. Non. Mais si tu veux, on peut aller vérifier. Regarde. Non, y'a rien. Mais il bouge le thé littéralement, et tu vas me dire qu'il y a rien, t'as même pas touché, t'as même pas. J'ai bougé la table. Il n'y a pas d'interaction avec. Après, il faut visiter les trois chambres. D'accord. Mais tu viens pas faire le. Ah non, ok. Mais par contre, les toits ça sert à rien, c'est des esclaves. Mais pourquoi les valus sont multipliés? Genre là, il y a sa valise et elle est aussi à l'entrée. Je sais pas, écoute. Hein. Ah, y'a rien là.
Alors. Allez, appuie sur X. Mais appuie sur X. Oh, regarde, la pizza. Oui, j'ai vu. Mais appuie sur X. Bah, pourquoi? Bah, là. Voilà. C'est quoi ça? Bah, rien. Allez, normalement, c'est bon, je vais avoir assez de ma tuque. Hello. Ah. Oula. On y va, hein? Bah écoute, allez, c'est parti, nous. Mais par contre, ils sont même personnalisés les ballons, hein? Mais bah, ils sont passés où tous les autres là? Ah, regarde! Ah! C'était un poteau en fait! Oh, mais quelle surprise! Tata, tiens, ne serait-ce pas une plus remarquable des invités de Marc? Je comptais justement sur mon petit visite. Est-ce que ta chambre est à ton goût? N'est pas à ton red voilà? Ouais. Mon cher, c'est vrai qu'elle parle sur eux que tu as quitté mon invitation. Pourquoi me demandes-tu? C'est assez simple. Il y a une personne, quelqu'un que j'adore. Sans lui, je n'aurais jamais eu l'idée de vous inviter ici. J'admire plus que tout le monde et je tenais à ce qu'il te rencontre. Oui, tu es toi. J'espère que tu es prêt. Salut. Roi Bou. Roi Bou. C'est Vishnok qui m'avait mis sous verrou dans son labo. Jushnok, c'est une référence, tu vas voir. Oui, mais grâce à la charmante propriétaire de ce hôtel, il me voit libre. Quelle chance, n'est-ce pas? Je ne suis pas sûre que tu accepteras cette invitation. Dans le doute, j'ai tout de même préparé ma vengeance. Qu'est-ce que j'entends par vengeance? Je suis ravie que tu poses la question. Après nos dernières mésaventures, j'ai décidé que toi et tes petits amis avaient besoin d'être recadrés. Oh, ne t'en fais pas, Yuji. Tu seras bientôt revenu avec les tiens. Et parce qu'en fait, pour les attaquer, il les met dans des tableaux. Oh, non. Et après, d'accord. Tu dois y vivre. Mouahaha, regarde ça, n'est-ce pas magnifique? Ne t'inquiète pas, toi aussi tu as un 4. Je suis spécialement réservé. Maintenant, prends quoi ta pose est plus terrifiée et ne bouge plus une moustache. La partie est terminée. Oula. Oh non. Oh non. Non, 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 non. Ah, c'est trop pire. Oula. Attention, 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 ça. Oh, regarde. Oula. Vite, hein. C'est sympa, là. Oh, c'est quoi ce truc? Oh. Je suis mort, hein? Attends, je suis mort! Ah ouais, t'es mort? Oui, parce que j'ai pas couru assez vite! C'est des mauvais en fait, ça! Non, vraiment? Si. Bonne nuit. T'es en vrai, vraiment, t'es mort? Ouais! What? En fait, je vais courir au bout du couloir. Mais je vais pas réussir à courir, c'est vite. C'est quoi ça? C'est glauque? En fait, j'ai été retardé. Mais t'as ça à chaque game over, hein. Peu importe comment tu meurs. D'accord. Regarde. C'est bon, ça va prendre. Hé, hey, roi Bou! Tu me fais pas peur, ok? Bon, ok, peut-être que je sais que tu me fais un peu peur, mais Et c'est bon, j'ai réussi! Ça va? Pourquoi le roi Bou il a pas fait direct? C'est vrai ça? Eh mais par contre il est vraiment idiot. Hein. Bah non, il s'est enfui. Ouais mais genre il aurait peut-être pu prendre un autre endroit. Voilà, ah, le Dimension 3, très sympa. T'es vrai? Voilà le vrai aspect! Allez! T'as vu comme c'est beau? Ouais. Et Dimension 3. C'est beau, hein? Eh ben ouais. Bon, c'était un peu cramé, hein. C'est vrai que les fantômes, ils avaient des masques d'humains. C'était un peu. Pas très. Et franchement, mais ils volaient! Oui, ils volaient en plus, littéralement. Ils ont essayé hein, de se costumer, mais. Regarde, t'as vu, il est gentil, le chien. Oh. Il t'attaque pas dans le jeu. Ouais. Il te guide, en fait. Oh. Oh. C'est quoi qui brille, hein? C'est des billets? Intéressant. Ah ouais, regarde, c'est des billets. Je peux pas récupérer?
Oh. De quoi? Je peux pas récupérer les billets, regarde. Regarde, il y a un goût d'or. Où tu veux des goût d'or, ça? Il y a une pièce. Mais regarde, en dessous. C'est pas un goût d'or, c'est juste un... la vaisselle. Si, c'est un goût d'or. Comment tu le sais? J'ai déjà joué au jeu, hein. Mais ouais. Oula. Luigi, il a peur de tout, quoi. Ouais, je sais. Oula. Tu vois, c'est le gem. C'est pour plus tard. Là, il y a des billets, il y a un godor là-bas. Tu vois pas? Ah ouais, là, il y en a un gros, ouais. Et bon, il faut pas que tu récupères. Regarde, il y a des billets, c'est ça, il faut faire. C'est des billets. Très bien, très bien. Oh, mais cher, c'est dégoûtant de fouiller dans les poubelles. Même dans l'hôtel 1000 étoiles. Très rassurant, hein. Une pièce. Mais de l'argent partout maintenant. Ouais, ils aiment bien. Hein. Ok. Ah ouais. Donc pour le jeu commence lentement, ouais. Ouais. Il est sympa, mais ça commence lentement. Regarde. Là, tu vas voir. Aspirateur. L'aspirateur qui va arriver. Non, mais ils ont pas un aspirateur dans leur maison, enfin, inventé, c'est pas logique. Mais non, 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 non. Ils sont dans le garage, ils savaient pas qu'il y avait un aspirateur. Ouais, je sais, je sais. Et en plus, c'est un aspirateur ping pour tuer les pompons. Ah ouais, c'est. C'est facile. Et à la fin du jeu, tu parlais combien que Peach va embaucher Luigi pour faire un peu ménage avec ton esprit? Ah, il l'a accroché avec sa lampe? Ouais. Hein? Et c'est une lampe aspirateur en fait. C'est ça? Attends. Ah ouais, regarde! Regarde, je peux charger pour faire peur aux fantômes. Ok, je. Il faut les paralyser, d'accord. Ah, ok, donc ça c'est pour aspirer. Là, c'est pour repousser. Ok. Oh, oh wow, ça fait un bout. Ouf, c'est bon, tu as tout compris? Ouais. Et que tout chien. Faut monter. Il a de la chance, ce chien, hein. J'avoue. Regarde. Ouais, on peut vraiment faire plein de trucs, hein. Sympa ça. Flemme. Une gemme. Oh, d'accord. Et ça va quoi les gemmes comme ça? Eh bien, en fait, c'est des petits gistorex, c'est pour la collection, tu vois. Ah, d'accord, c'est un. Ouais. Ok, ça va. Oh, de l'argent. Sortez, argent. Ah, t'as des gens. T'as des argent partout dans cet hôtel. Hein, ah, ouais, d'accord, je vois le genre. Au portail. Oula. Oh, je peux pas. Non, ça marche pas, hein. Alors, je vais sortir. Attends, je vais en profiter pour faire un peu de ménage. Maintenant, j'assure. Mais pour l'instant, ça va, y a pas de fantôme. C'est une ambiance vraiment très très calme. Non, mais ça, j'avoue, y a aucun fantôme, là. Mais c'est normal, j'ai pas appris comment les attaquer. Une pote à billets. Ah ouais. Tu vas pouvoir la récupérer après, non? Bah aspire. Maintenant, en fait. Ouais, mais d'abord, regardez ça. Ah, oui. C'est bon, je récupère un billet. C'est une plante à billets. Bizarre. Ouais, t'as des gens partout dans ce total. Ah ouais, d'accord. Oh! C'est un distributeur. Oh là, tout l'argent qu'il y avait. Tu peux pas aspirer pour gagner du temps? De faire ceci. Ah ouais, d'accord. Il y a pas d'autre chose là? T'as pas raté des pièces? Il y a un truc. Ah si, il y a un truc. Hop là! Wow. Le mot d'or! Ouais, j'ai une perle aussi, ça s'échange les perles. Ah, les perles? Il y a plein de trucs, hein. Ça, il va devenir riche là. J'ai déjà 400 dollars. Pas mal comme son billet. T'as un billet.
C'est pas grave, t'inquiète, il y a beaucoup d'argent qui va. Ok. Ah, ah oui, c'est vrai. Ah ouais, d'accord. Mais arrête d'éternuer. J'ai jamais réussi à faire 3 éternuements. Oh, mais t'as vu le... joyau. Oui, bon, mais ouais. Ça faut avancer plus tard dans le jeu. D'accord, ok, ok. Il faut descendre par la bouche derrière. Sûr, d'accord, ça, d'accord. C'est quand... En fait, ça se débloque en même temps que le mode multijoueur. Ok. Ça, par contre, j'ai jamais fait comment... Il faut le casser, non, le long de choc que t'as fait juste avant. Ah bah, je sais faire, hein. Non, essaye. Ah ouais, non. Tu peux pas le pousser dans les escaliers, Non, je peux pas. Oula, ah, rassurant. J'ai affronté mes premiers fantômes. D'accord, merci pour le spoil. Non, c'est calmé là. Par contre, ne s'abugue pas avec la lampe. Il ferme la clé. Non mais c'est plus caqué. Ah ouais. C'est Granny là. Il barricade. Ah, du coup le chien il est ami avec les autres fantômes. Bah c'est un fantôme hein, donc Les autres fantômes même pas. Oula. Les fantômes font apparaître ça, en fait t'es obligé de les battre. Dégage. Oula, pauvre fantôme. Et un de moins. Non. Et alors, ils sont forts, hein. Je pense que c'est des fantômes classiques, non? Bah oui, mais c'est des fantômes quand même. Bah, vaincu. Ok. Ah, t'as un lingot. T'as vu le diamant là? Ouais, j'ai vu. Comment on fait pour le récupérer? Je crois que c'est un fantôme qui m'a fait une blague. On va récupérer le diamant là? J'essaye, hein, mais j'arrive pas. Oh. Non, je crois pas que c'est possible. Ok. Attends. Sympa. Ouais, je sais que je pouvais pas. En fait, il y a une clé. Je sais où elle est. Ah oui, la clé est là. D'accord. Ah ouais. Et j'ai aussi récupéré une petite gemme au passage. Oh, stylé, stylé. Hop. T'as plein de gemmes différentes en fait. Oh, regarde, il y a un nombre de pieds. Ah ouais, wow. Et un goût d'or. Attends, c'est pas fini. Il y en a beaucoup, hein. Wouah! Il y a que ça? Ouais, c'est bon, j'ai tout espéré. What? J'ai mieux! Regarde! Oh, tout l'argent t'as gagné, non mais c'est ouf! Oh là là! Ok, maintenant. Hop. Alors, les clés, c'est un peu bizarre dans le jeu. Voilà. Et ça s'ouvre. Ok. Ok. On s'en va, Luigi, t'as vu comme t'as massacré tout ce manteau? Ah! C'est lui, le vieux schnock dont parlait Roi-Bou. Ah ouais, d'accord. Ah, il faut le libérer. Oui, je connais le professeur. Enfin, je l'ai. Ouais, ouais, je connais. En fait, Luigi a vu dans tous les autres Luigi Mansion, en fait. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, c'est celui qui lui offre l'aspirateur. Il faut le libérer, là. Ouais, mais justement, j'allais chercher un truc pour ça. Ah, d'accord. Ah, je peux pas. Ça t'est cul. Ah, peut-être. Ah, t'as vu, c'est leur masque nul là. Ouais. Oh. Oh, 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 oh. Hop là. Ah. Wow. Y'a. Yeah. Go, go, go. Ah, c'est une gemme. Oh oh! Il est bon? Ding! Oh 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 oh, j'ai trouvé! Ah, c'est là!
What? Filé, hein. Et bon. Ok, je vais pouvoir aller libérer maintenant. Vas-y. Mais pas avec la clé, hein. Ouais, ouais. Oh, regarde. Oh. Des amis de recherche, carrément. Attends, j'essaie de les avoir tous les deux. Ouais. Et voilà. Mais ils servent à rien leurs amis de recherche parce que ils sont, c'est tous des fantômes. Bah oui. Il a peur des rails aussi. Ouais, je vois ça. C'est quoi ce truc? C'est un truc là. Bah oui, il y a un truc là. Mais il y a quoi sous le rideau? Ok. Ouais. Allez. Hop, ah là, je crois qu'il y a un truc intéressant. Ça. C'est une nouvelle lampe. Ah ouais, elle sert à quoi cette lampe? Quoi? À ton avis, à décadrer. À décadrer, d'accord. Voilà, je sais. Trop stylé. Ok, je vois le joueur, d'accord. Ok, trop bien. Trop bien. Donc là, il y a encore un truc à décadrer. Oh, non, 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 ça c'était vrai cadre. Il n'y a rien dedans. Ah d'accord. Ah, t'as vu le fantôme là? C'est une araignée. Ouais, mais t'aurais pu l'espérer, c'était une araignée fantôme. Non, 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 c'est une araignée dorée. C'est pas la même chose. T'es fantôme, elle était transparente. Ouais, je... Enfin... Non, non, non. En fait, c'est parce qu'elle est dorée que t'as l'impression qu'elle est transparente. Ah d'accord. Et voilà. Non. Il est libre. Il est chauve, hein. Je vois pas sa voix bizarre. C'est un chipmunk. C'est toi mon garçon, que fais-tu dans un endroit pareil? Ho ho ho! Enfin, nous parlerons plus tard, là ce n'est vraiment pas le moment, tu t'en sortiras avec brio, c'est tout ce qui compte. Betty, partons au plus vite! Sautez, rempli de fantômes, partons vite! Je suis t'inquiète pour Mario qui t'a ignoré des milliards de fois! Que dis-tu, tous tes amis ont été capturés? Tu ne peux pas les abandonner ici? Pareil, ça n'a vraiment pas changé. Toujours à faire des caprices. Non. T'es égoïste. Bref, on peut quand même dire que tu as de la chance car, comme toujours, mon professeur Caritastrophe. Ouais, Caritastrophe, rassurant. Tout d'abord, on me dit alors ma voiture. Ma femme a-tu l'honneur de m'y emmener? Dis-moi, ce nouvel octopus Gu, tu as pris de ma voiture, c'est bien sûr. Nous devons retourner au garage plus vite, au sous-sol. Allons-y. Ah, ouais, d'accord, c'est ça. Ah oui, mais en fait, l'aspirateur il était dans sa voiture en fait. Ah bah oui. Attends, sa voiture c'est un tracteur. Il dit voiture. Mais c'est quoi cette démarche là? Et tu, mon garçon, regarde un peu là-bas. Ah, c'est ton soeur, nous arrivons au garage, on a rien de temps. Mais je nous dirai avant que les fantômes nous trouvent. Ah. Sympa tout ça. Et tu regardes un peu tous ces argents. Totem est certes dangereux, mais ce n'est pas une raison pour négliger l'aspect. Bref, je te sens regret de te remplir les poches. Cet argent pourra toujours me servir, alors prends-en autant que tu peux. Voilà, c'est bon. Pic. Il marche toujours l'ascenseur. Tranquille. Attends, what? Il n'y a plus de boutons. On a vu que ça passe. Quelqu'un a retiré les boutons de l'ascenseur. Qu'est-ce qui se passe ici? Je présume que nous comprendrons ce mystère plus tard. Pour le moment, contente-toi d'appuyer sur le bouton B1. Ok. Il n'y a qu'un bouton, donc ouais. Et ben. Ouais. Allez, cherche une idée. Ma connaissance, aucun de tes amis n'était piégé avec moi au deuxième niveau. D'ailleurs, on a besoin de les emmener plus haut dans l'hôtel. Ce qui veut dire que nous avons besoin des boutons d'ascenseur. Ouais, c'est ça en fait. Regarde, je vais sauter. Et on y va. Ah, Néo. Attends, tu l'as laissé dans l'ascenseur?
Ok. Oh, regarde. Attends, mais what? Mais t'as vu, il s'est téléporté? Ouais. Ça arrive dans certains jeux vidéo. Oh, regarde. C'est un bug ou c'est vraiment c'est exprès? C'est un bug. Parce que vu que j'ai abandonné dans l'ascenseur, il est obligé de me suivre. Ouais, bizarre, creepy tout ça. Hein. Bah, c'est comme les loups dans Minecraft. S'ils peuvent pas toucher, ouais, non, mais ils téléportent. Oui, mais ils se tépient. Là, c'est différent. C'est pas un chien dans Minecraft. Ouais. Oh. Non, le majordome. Non, il s'enfuit. Allez, on va affronter. Mais t'es un fantôme. Ok, tu es des bases. Ouais, il a pas beaucoup de force, hein. Ouais. Par contre, il y a beaucoup de vie, hein. Ah ouais. Regarde, ça vit. Ah ouais. Là, faut que je sois. T'es où? Allez. Ça va. Attends, mais viens. Tu peux venir? Ah, là. Est-ce qu'en fait, faut attendre qu'il me lance, sinon il est protégé. Ben, regarde. Chut, tape sur ta barrière. Oh là, la combat épique là, attention, attention, attention. Sois vite, esquive, esquive. Facile. Ah, c'est bon, j'ai eu. Oh, vite, dans ce là. Vite, vas-y, go, 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 go. Go. Bouton d'ascenseur. Ah, c'est lui qui avait les boutons, d'ascenseur, sérieux. Il n'y a pas tous les boutons. Il va bien, je pense. Il est dans son aspirateur, il est avec deux fantômes. Oh, des boutons d'ascenseur. Je n'aurais jamais soupçonné ce fantôme de les avoir chapardé. Ah oui, d'accord. Et là, s'il n'y en a que deux, soit-il que les autres boutons soient gardés par d'autres fantômes. Logique. Peu importe, c'est un couteau à ma voiture, j'ai quelque chose de facilement à comprendre. Il y a beaucoup de trucs dans sa poche. Il y a des poches infinies. Comme dans tous les jeux vidéo. Ouais. T'as vu, c'est une vieille voiture, c'est un jeu très cool le truc. Ouais, donc, ok, donc pour ouvrir ta voiture, faut te taper dedans. Ah, regarde. Tu vas voir. Tu vas voir ce que c'est. Tu sais, dans Minecraft, ouais. Quand tu enfin, quand tu perds un peu trop loin de ta base, ouais. t'es hyper aigle. Ouais. Sauf que lui, il y a une solution. Ouais. Pour trouver sa base, il emmène toujours avec lui. C'est quoi ce machin? Ça. Base portable. Portable, ouais, et sa base portable. What? C'est sa base scientifique portable. Carrément, il va se poser là. Il va s'installer tranquille. La base portable. Achetez-la. Ah, il a une caméra. Ah, c'est la base portable. Ah, ouais, bon. Il est opérationnel cette base, hein. J'avoue que là, c'est bien. Hein. Hé, hey, bienvenue dans mon labo. Oui, il s'agit d'une de mes inventions géniales. Laboratoire portable. Il est solide, sécurisé et équipé de la climatisation. J'ai toujours su qu'un jour j'en aurais besoin. Et j'ai pas bien fait d'en parler. Ah bah oui, il a bien fait, il a bien fait. Oui, tu veux connaître les raisons de ma présence dans cette salle? C'est un peu compliqué. J'ai été piégé. J'ai reçu une invitation de sa prétendue protégée. Ah ouais, d'accord. Cette personne m'a crié. M'expliquer par force détails qu'il possédait une merveilleuse collection de fantômes recueillis dans le monde entier. Qu'est-ce que trop long digne de ce nom aurait refusé cette offre? Aucun, bien sûr. Quelle était donc cette invitation? Et là, c'était mon arrivée, j'ai dû me rendre à l'évidence. C'était un piège assez grossier. Il m'a immédiatement capturé et dérobé ma précieuse collection de fantômes. Ah ouais, carrément. Oui, parce que lui aussi, il y a une collection de fantômes. C'est comme ça qu'il est arrivé. Qu'il est arrivé, il y aura des goûts.
Ah oui, d'accord, ok, ok, ok. C'est terrible, il s'agit de tous les fantômes que tu as aidés, tu as attrapé. Le robot était dans l'eau, bien sûr. Sa perte m'affecte terriblement, c'est un peu mon chouchou. Que dis-tu, le robot est en liberté? Non, non, Ectoplas. Qu'a donc fait cette propriétaire de malheur? Luigi, qui est notre seul espoir. La tâche que je te confie est immense. Comme à chaque jeu. Ouais. Tu dois absolument récupérer ma collection. Et alors, puisqu'on parle de cette collection, donne-moi tous les fantômes que tu as déjà capturés. Ah, donc il est capturé, ok. Et tu peux me donner après. Ah ouais, si. Regarde, t'as vu, ils sont pas coincés. Ah bah oui, ils vont bien. Très bien, continue de capturer ces fantômes et reviens à la boue. J'ai préparé la galerie pour que tu puisses admirer tes captures. Ah ouais, ok. D'accord, d'accord. Et en fait, t'as plusieurs catégories de fantômes, vraiment? Quoi? T'as plusieurs catégories de fantômes, vraiment? Oui. Mais bon. Oui, pourquoi me regardes-tu ainsi? Aurais-je oublié quelque chose d'important? Oh, oui, effectivement, j'ai oublié de déshabiller ton frère. Oui, j'ai oublié la tête. Toujours est-il que pour les retrouver, tu devras bien explorer l'hôtel et capturer des fantômes. Et pour t'aider, je n'ai rien de moins à te proposer que ma toute dernière version de Jenny. Ah ouais. J'ai baptisé Virtual Boo, VB, pour faire quoi. Alors ce truc, ça sert à rien. D'accord. Il s'agit d'un appareil révolutionnaire de réalité virtuelle. Regarde-moi ce super écran rouge. Tout le monde aime le rouge. Bien sûr. Dès que je le commercialiserai, il va se vendre comme des petits pains. Utilise VB quand tu veux communiquer avec moi. D'accord. Ils vont sûrement effectuer un test de communication plus tard d'ailleurs. Appuie sur X pour activer ton VB. Tu pourras voir entre autres ton objectif du moment. C'est très pratique. J'ai encore quelque chose à te donner. Tiens. Ça par contre, c'est un cadeau. Non. Un détectocrat. Ah non, oh non, 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 ça nous pousse à ça. Ah d'accord. Ça va. Ok. Ah non, ça sert, je compte sur toi. Alors, ok. Bah écoute, Swan, je pense qu'on va s'arrêter là. Ah voilà. Ouais, on est paré là. Attends, regarde. Va dans la galerie pour les fantômes. Ah oui, oui. Attends, je veux quand même voir les fantômes avant moi. Regarde. Ah d'accord, chenapon. Donc c'est des petits fantômes nuls, ça ouais. Un peu. Ah ouais. T'as tout ça en sorte de fantômes de base. Et après, c'est quoi les autres trucs? Attends, pardon. Fantôme rare. Attends. Donc, ça, c'est fantôme vraiment rare. Donc, tu peux quasiment pas les rencontrer. Tant que ça, et c'est des boss ou c'est juste des fantômes rares? C'est ça, les fantômes boss. C'est quoi ça? Ça, c'est les boss. Ça, c'est des boss, mais lui, c'est un boss du coup? Oui, bah oui, c'est un boss. T'as vu, il y avait plus de PV. Ouais, ouais, j'ai fantôme de table. Fantôme de table, regarde, t'en as peur. Ok, bon. Ah oui, oui, j'ai oublié de te dire. Dans ce jeu, tu peux pas avoir que des fantômes. Tu peux aussi avoir des boues. Ah bah les boues classiques, ouais, d'accord. Et il y a plein de catégories de boues. Et ben, c'est tout. Waouh. Ok, bah écoute, grave impatient de continuer la suite. Bah, hein. Pareil. Hein. Allez, on va du coup s'arrêter là pour l'instant. Donc j'avoue, pour l'instant, début du jeu, le rythme est assez lent. Il y a surtout beaucoup de cinématiques, ouais, mais c'est sympa. Moi j'aime beaucoup. Ouais. T'inquiète, ça va s'améliorer après. Ouais, ouais. En tout cas, on espère que la vidéo vous aura plu. Dites-nous en commentaire si vous voulez une suite. Hein. Ouais. Voilà, on est grave chaud pour continuer. Pareil. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous. Et sur ce, à la prochaine.